Alors, les amis. Hop. Hop. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Grande Croche, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je vous remercie d'être plus en plus nombreux. Je vois qu'il y a des personnes qui s'abonnent et ça me fait chaud au cœur. Sur ce, aujourd'hui, on est là pour quoi? Aujourd'hui, on est là pour tester un petit personnage dans la Crit Team. On n'arrête pas. Et aujourd'hui, vu qu'avec le boss Camilla, je me suis dit que j'allais monter Arthur Bleu. Je l'avais déjà 80, mais je ne l'avais pas super éveillé. Pour vos beaux yeux, je l'ai super éveillé. J'ai presque plus laissé ça. C'est terrible. La crise. Et j'ai même, attention, acheté une arme UR à 30 diamants. Ça m'a fait mal, mais c'est pour le bien de la vidéo. J'ai vu 6% de dégâts crit, j'ai craqué. Du coup, je lui ai mis le stuff de Meliodas. Attaque dégâts crit dans la crit team. Et j'ai mis en sub Merlin pour lui donner 20%, enfin 19,2 chances de crit. En gros, ce qu'il faut savoir sur Arthur Bleu, en gros, c'est que plus il a d'orbes d'ult, plus il gagne de dégâts crit. Voilà. Comme King Ver, sauf que King Ver gagne des chances crit, lui gagne des dégâts crit. Du coup, quand il a pas mal d'orbes, il détruit des mers, en fait. Ah ! Bon, il a pas le plus de CC, mais... Ok. Oh, on est obligé, non? En vrai. Il a aucun buff. Enfin, il a juste le seul, mais du coup, 10% pour chaque orbe. Voilà, du coup, il a aucune orbe. Enfin, il en a une, quoi. Donc, si là, il fait mal, bah, c'est très bien, quoi, du coup. Allez. Il m'a régalé. Ah, il m'a régalé. Oh. Ah non, Arthur Bleu, il est pas mal. En plus, son niveau 3, je sais pas si vous avez vu, mais il fait 500%. Et du coup, il stun. Il peut stun au niveau 3. Très solide. Du coup, ce que je vous propose... Mon truc, c'est qu'il a une cleanse. Est-ce qu'on peut... On va rush en nul, déjà. Et je pense qu'on va l'empêcher d'attaquer. J'aurais dû le garder, peut-être. Parce qu'il va cleanse, du coup. Ouais. Ah, il va mettre tarif, hein. Ça va, hein. Il peut utiliser... Oh, il a pas de cleanse. Oh, il a pas de cleanse. Let's go. Quoi? Quoi, il peut... Ah non, ok. J'étais en... Okay. Il a créé une pétrif, ok. On a gagné. On a gagné, tout simplement. Je pense qu'on va go king. On va faire une AO. Ah, on est bien de fou. On est bien de fou. On est bien de fou. Oh, on l'a juste détruit. Ah, c'était un vrai joueur en plus. Une destruction. Oh, incroyable. A tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? On a une Elisabeth, on a à peu près le même nombre de CC. Elisabeth. Starossa, c'est chiant parce qu'il peut facilement. Enfin, il va me debuff attaque. Pas ce qu'on veut. Je pense pas qu'il va m'OS.
Je vous propose, c'est qu'on mette un debuff pour l'empêcher de rechute et qu'on commence à monter les cartes de Arthur. Et si on a un autre rank up, on est bien. Allez. Ok, tant pis. Ok. Je peux pas rush l'ulti-gozer, c'est très chiant. Ok. Sayonara. Il a pris tellement cher, j'aurais pu l'OS. Il a pris tellement de tarifs. J'ai rush l'ulti Ludo Ciel pour l'embêter. Pour le forcer à stun Ludo, peut-être. S'il a un stun et un shield, c'est chiant. Qui c'est qui stun? Ah, c'est vrai que... Je pense que c'est un vrai joueur en plus. Hein. Du coup, ce que je vous propose... Ok. On va monter lui. Ok. Normalement il va mourir une fois, il va perdre son taunt. Enfin, ok. Et là je golise. Let's go. Oh, en plus il avait les stats réduites, c'est vrai qu'il avait les stats réduites des Starossa et je l'ai quand même OS. Wouah. La dinguerie Arthur. Ah, en plus il a même pas d'orbe quoi, genre là il avait 20% de dégâts crit en plus quoi, c'est que dalle. Il me régale. Oh, il me régale. Oh, ah genre, ah, il me donne envie de faire de lueur juste pour lui tellement il me régale. Ok. Ok, il go, il le tue je pense. Ah non, il l'a pas, ok. Il l'a pas, tout va bien. Du coup, ce que je vous propose c'est que j'ulte Testarossa, j'ulte Gozer et je l'empêche d'attaquer. Et Arthur, je sais pas s'il le tue, mais dans tous les cas, moi il a les stats réduites. Sans les stats réduites, il les tuait. Hein. 180%, c'est pas un très gros pourcentage, mais c'est le même sort que Gozer Rouge, donc en vrai il est très utile. On s'est perdu, frérot, tu peux t'en aller. Mais en vrai, j'aimerais bien que tu restes en vrai, parce que là du coup Ok, attendez. Allez, les stats. Ok, parfait. Je vais tester. Qu'est-ce qu'on teste? Ça ou ça? Avec le max orb. En vrai, ça c'est plus utile pour voir les dégâts. Parce que. Enfin, je pense que ça fait mal, mais ça dans tous les cas, ça OS normalement. Non, t'es pas parti, frérot. S'il te plaît. Parfait, il est resté. Merci à toi. Merci à toi. Je vais pouvoir tester. Grâce à toi, je te remercie chaleureusement. On va tester full orb, full dégâts crit. Ah, mais le dernier a pas crit. J'ai pas vu les autres. Mais le dernier a pas crit, il a fait 20 000. Au lieu de genre 60 ou 70 000. Ouais, je crois que c'est 70. Attends. 50. Ouais, c'est ça, ouais. Non, ça fait 75, 75 et 20 000 à peu près. Pas de chance. Mais du coup, ça aurait fait 54 plus, donc ouais, 200, 230 000, hein. Un petit OS, hein.
Le seul problème, c'est qu'on n'a pas. J'ai pas de stuff UR sur Arthur, donc il a pas beaucoup de. Il a pas des très hautes stats. Puis je lui ai mis attaque dégâts crit, donc c'est pas le truc qui donne le plus de CC, mais. Mais bon. Écoutez, pas de chance. C'est pas grave, de toute façon, on se régale, donc. Va bien. Poisson, on a eu deux joueurs. Ok, Lost Vein. Ok. Lost Vein. Oh oui! Oh oui! Oh oui, monsieur! Oui! Oh! Oh oui! Oh, régale-moi! Oh, le régal! Ah, je joue des FPS en plus. Ah, le régal. De toute façon, il a une cleanse. Dans le pire des cas, il rush l'ult. Le king, peut-être. Il peut pas. Il ne peut pas, mais il va clean. Enfin, il va heal et. Oh, stun de tour. Et stun de tour, Arthur, chiant. Et. Gozer. Arthur et Gozer. C'est pas grave, le ludociel est là. Le ludociel est là. Je vais faire ça. Et hop, double AOE. Double mono-cible. Oh, ça va pas le tuer, merde. Crit. Ah, il a pas crit. Il n'a pas crit. Mais j'ai son ult. Donc ça va. Il peut pas se faire, il peut pas se faire pétrif en plus. Ah. Une victoire encore une fois. Let's go. Alors les amis. Hop. Hop. Ah, ce move était divin. Ah, c'était divin. Ah, c'était divin. Oh, Arthur, le boss. Ah, oh, le boss, Arthur. Mais, enfin, le titre de la vidéo, c'est Destroying Sariel, Destroying Meliodas. C'est quoi, genre? Tout le monde y passe, là. Tout le monde y passe. Quoi? Vous m'avez dit quoi? Ah, la méta, c'est Red. La méta, c'est Arthur Bleu, les gars. Alors, oh là, c'est un vrai joueur. Ouais, j'ai moins d'habits tout à l'heure, mais c'est normal. Ok. Il y a Elisabeth à gauche. Ah, il a merde, Elisabeth. C'est-à-dire qu'il a un stun de base ou. Ok. Alors. J'aurais bien aimé avoir un rank up. Stun Elisabeth, peut-être. Le truc, c'est que là, je peux facilement tuer Meliodas, mais il faut le tuer deux fois. Alors, il a shield. Il a shield. Non, mais le truc, c'est qu'il va choper. Il va choper ses cartes 3. On va tenter un truc. Est-ce qu'on le tue là? J'aimerais bien. On l'a tué une fois. Ok, on l'a tué une fois. Et on l'a empêché d'attaquer, c'est pas mal. Il peut me stun quelqu'un, mais il
peux pas me stun tout le monde. Normalement je peux le tuer avec l'œil de ciel. Le ciel peut pas se faire stun, donc normalement je suis tranquille. Ah, j'ai pas la OSB de ciel, c'est dommage. Et quel stun Arthur, non? Quel stun Arthur? Bon, là, toi tu peux pas par contre. C'est un joueur. Mais parfait! Une super victoire pour finir. Bah, sur ce, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis, honnêtement, je suis grandement surpris par cet Arthur. J'avais qu'il faisait mal, mais les moves qu'il nous a proposés. En vrai, je vous promets rien, mais si vous kiffez vraiment aussi, peut-être que je lui ferai un stuff UR. Là, la prochaine vidéo, ça va être sur la Jericho Rouge. Il y aura des summons mardi. Donc, si vous êtes là mardi, il y aura des summons sur Jericho. Parce que bah, je simp, hein, bien évidemment. Mais sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous fais des bisous. Et à la revoyure! We'll be right back.